Je suis Tiandi, créateur de la planète Taku. Je suis né en Guadeloupe. Taku, un Kemti. Kemti signifie image noire. C'est un Kemti qui met en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Ma volonté est vraiment de mettre à travers la planète Taku en avant nos arts martiaux, notre culture culinaire. Je me suis inspiré des mangas, de type Shonen Iketsu, parce que c'est vraiment, j'ai baigné dans cet univers. Et ma volonté, c'est d'apporter avec la planète Taku ce que le manga m'a apporté moi en tant qu'enfant, aux nouvelles générations. Parce que au niveau de l'étymologie, pour moi, le terme afro-manga n'a aucun sens. C'est-à-dire que si on s'inspire des mangas, il faut aller voir qui a fait des mangas, quels sont les auteurs qui ont fait des mangas. Et il se trouve que l'auteur qui a donné ses lettres de noblesse au manga, c'est Osamu Tezuka. Et Osamu Tezuka, quand il a fait des mangas, il s'est inspiré des comics et des bandes dessinées européennes. Les comics et les bandes dessinées américaines et les bandes dessinées européennes. Il s'est inspiré de ça pour créer les mangas. Mais il a pas dit, il aurait très bien pu, vu qu'il s'en inspire, il aurait très bien pu dire bon ben je fais des comics japonais ou je fais de la BD japonaise quoi. C'est pas ce qu'il a fait, il est allé récupérer un terme qui existait déjà, le terme manga, qui était un terme utilisé pour les estampes japonaises à l'époque, okusai, etc. Et il a redéfini, il a donné une nouvelle définition à ce mot. Donc c'est pour ça que j'ai pris le terme Kenti, mais c'est pas moi l'inventeur du terme Kenti, c'est un autre artiste qui s'appelle J.O.T. Beyond, que j'ai rencontré, et c'est lui qui a, il a le même processus créatif, et j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus pertinent de partir sur ce terme que le terme afro-manga, qui est vraiment, c'est juste du marketing et de la communication pour l'afro-manga, alors que le terme Kemti signifie image noire, donc c'est vraiment, ça coule de source en fait. Quand on veut mettre en avant les différentes cultures africaines et afro-caribéennes, ben, on est obligé de prendre le terme Kemti, sinon ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je me retrouve à créer la planète Taku. C'est lié à mon vécu. C'est-à-dire qu'étant petit, ma mère a toujours été une grande lectrice. Elle avait, donc chez nous, elle avait une grande bibliothèque avec énormément de livres, énormément de bandes dessinées aussi. Pas forcément des mangas, parce qu'elle détestait les mangas, mais elle avait toutes les BD, elle avait tous les Achille Talon, tous les Astérix, tous les Tintins. Et c'est ce qui m'a donné envie de lire. C'est-à-dire que je voyais ses œuvres. Même sans lire, je les regardais en fait. Je regardais les images, j'essayais de comprendre l'histoire à travers les images sans pouvoir lire. Et je rigolais, ma mère me disait ça, elle me disait, je te voyais, on te voyait rigoler alors que tu ne savais pas lire, en regardant ces œuvres-là. Et c'est ce qui m'a donné envie de lire parce que je voulais, au bout d'un moment, je voulais vraiment comprendre en fait. J'en avais marre de me faire mon idée moi-même. Donc j'ai baigné là-dedans. Et aussi, j'avais un oncle qui, lui, avait énormément de VHS. Il avait plein de VHS de films, des films d'horreur. Des films d'action. Mon grand-père aussi regardait énormément de films, les nanars, tu vois, tous les Van Damme, tous les Chuck Norris et compagnie. Donc j'ai vraiment baigné dans cet univers toute mon enfance. Et il y a eu le Club Dorothée également. Et le Club Dorothée m'a donné envie de faire des mangas. C'est-à-dire qu'avant de vouloir faire des mangas, les mangas m'ont donné envie de connaître l'Asie. J'ai eu envie de connaître la Chine, connaître le Japon. Voilà, l'Asie dans sa globalité, j'ai voulu connaître cette culture, quoi. L'art culinaire, tu vois, quand on voyait des personnages, surtout dans Naruto. On voit Naruto manger des ramen. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais j'ai envie de goûter un ramen, quoi. C'est qu'un ramen. Et c'est ce qui a fait que je suis allé au Japon, justement, pour goûter un ramen, pour savoir que... Et tout ça, je me suis dit, ben, j'ai vu ce média-là, je me suis dit, ben, c'est trop puissant, quoi. On peut en faire quelque chose. Parallèlement à ça, ben, j'ai eu un bac économique et social, je suis parti faire mes études. J'ai fait des études d'art. Donc, une année de prépa art, j'ai enchaîné par la suite dans une école en superinfographe à l'ESRA. J'ai terminé par Supinfocom à Valenciennes. Et après, ben, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé chez Xilam Animation, sur Ogi et les Cafards, sur Flapacha, la série Flapacha Où es-tu. Donc, franchement, la meuf, c'était bonne, j'ai adoré. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment créer mon propre univers, créer mes propres histoires. C'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai arrêté de travailler à Xilam et je me suis lancé sur la planète Taku. Voilà. Ma jeunesse,
C'est d'abord Senseiya, donc les chevaliers du Zodiaque, Senseiya. Il y a eu Hokuto no Ken aussi. Hokuto no Ken qui m'a beaucoup marqué. Goldorak, Dragon Ball évidemment, Ranma. Et ensuite, ben, il y a Naruto. Naruto, ça vraiment. Parce que, on va dire qu'il y a tous ces mangas que j'ai connus durant mon enfance. Et après, il y a une petite cassure, c'est-à-dire que quand il y a eu la mode des mangas, tu sais, comme Pokémon, Digimon et compagnie, ben, j'ai un peu lâché les mangas. Donc, il y a eu un gros moment où j'ai arrêté de lire des mangas, ça ne m'intéressait plus. Je lisais Kenshin, par contre, il y a Kenshin, Rurouni Kenshin que je lisais, c'est Kenshin le Vagabond. Mais ce qui m'a fait retomber dans les mangas, c'est Naruto. C'est-à-dire que quand j'arrive en France, après mon bac, j'ai une amie en fait, avec qui je suis en prépa, et elle parle de Naruto, elle me dit, comment ça, tu connais pas Naruto? Et elle me file les épisodes, quoi. Elle me file les épisodes, et je commence à les aiguiller au JT, tu vois. Je les bouffe 8 épisodes tous les jours, elle me file les 8 épisodes, et en une journée, je les regardais, quoi. Et je l'ai rattrapé, je l'ai dépassé, elle avait plus le temps. Et moi, ben voilà. Et je suis retombé dans le manga, et Naruto m'a fait retomber là-dedans, et j'ai voulu raconter mon histoire. Pour la planète Taku, je m'inspire certes des mangas, c'est-à-dire que je m'inspire de la structure des mangas. Donc, c'est la mise en scène, comment sont créées les cases, voilà, c'est la mise en scène, je m'inspire des mangas pour ça, le modèle des shonen Neketsu. Mais ce n'est pas que les mangas que je m'inspire. J'adore aussi le cinéma. Et il y a un film qui m'a marqué. Pareil, à la même année, en fait, c'est Gladiator. Je ne l'avais pas vu à l'époque quand il était sorti. Je l'ai vu en 2005. Et c'est une grosse claque pour moi, ce film. Ce film, il m'a marqué. Et donc, je m'inspire énormément de Gladiator. C'est pour ça qu'on retrouve. Parce que j'adore la mythologie grecque et l'Empire romain. Enfin, l'histoire. J'adore l'histoire, en fait, aussi. J'adore les mangas, j'adore écrire des histoires, mais je m'intéresse à l'histoire de l'humanité également. Il y a certaines zones comme ça, ouais, j'adore la mythologie grecque, l'histoire d'Homère en fait, Ulysse, tout ça. On peut parler des. T'as Zeus, t'as Persée, enfin, t'as énormément de divinités. Et tout ça m'a donné envie, je me suis dit, mais ils ont tout ça, eux, t'as même les dieux nordiques, Thor, Odin, etc. Et je me suis dit, mais nous aussi, on a des divinités en fait. Donc ça m'a donné envie d'aller chercher. Est-ce qu'on avait nous des divinités en Afrique? Et il se trouve qu'il y en a. Je suis allé chercher ça. Et voilà. Et tout ça, j'ai eu envie de faire un melting pot. C'est comme si quand tu fais une salade. Tu mets dans un. Je crois que c'est pas un shaker. Mais bon, on va prendre le shaker. C'est comme tu fais un cocktail. Tu fais un cocktail. Voilà, tu fais une pina colada, quoi. On va dire que c'est ça. C'est une pina colada. Tu mélanges bien tous les éléments. Et c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire que tout ce qui me passionne, ben, je l'ai remis dans la planète Taku. Tout en mettant. Tout en ayant envie de mettre ma culture en avant. Je suis un afro-descendant. Hein. Je suis un afro-descendant et puis ben, je suis né aux Antilles, je suis né dans la Caraïbe, en Guadeloupe. Toute cette histoire, en fait, tu sais, quand tu grandis là-dedans, on te parle, ben, il y a notre histoire, quoi. Il y a notre histoire avec les béquilles, avec. La France, tiens, nous sommes des afro-descendants, on parle créole. Je trouve qu'on a notre culture, enfin, c'est-à-dire que notre peuple a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que nous sommes français, nous sommes de nationalité française, nous parlons français, mais nous sommes à la fois aussi des afro-descendants, et on a du mal à faire la synthèse de tout ça. C'est-à-dire, ici justement, c'est le shaker, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si tu essaies de mélanger quelque chose, mais qui ne prend pas. C'est-à-dire que tu essaies de faire un cocktail avec des éléments qui n'arrivent pas à se mélanger ensemble. Et moi, à travers la planète Taku, je joue avec ça, quoi. Je joue avec la culture française, je joue avec tout ce que j'ai appris, donc l'histoire de l'Europe, la mythologie grecque, l'Empire romain. Je joue aussi avec ma culture, donc il y a les personnages afro qui parlent créole, qui pratiquent des arts martiaux créés aussi par des afro-descendants. Il y a tout ça. Je joue avec tout ça et l'idée, c'est de voir qu'est-ce que ça donne. C'est-à-dire que les thèmes principaux de la planète Taku, c'est de savoir si des peuples différents d'eux, différents, pardon, je me suis mal exprimé. C'est-à-dire que je suis un afro-descendant. Est-ce que parce que je suis un afro-descendant, je ne dois traîner qu'avec des afro-descendants? Voilà. Et est-ce que je vais m'entendre qu'avec des afro-descendants? C'est-à-dire que est-ce que parce que j'ai quelqu'un qui a la même couleur de peau que moi, est-ce que juste parce qu'on a la même couleur de peau, on va se comprendre? Est-ce qu'on a la même idéologie? Est-ce que nous avons les mêmes objectifs dans la vie? Est-ce que nous avons la même vision des choses? Et ça, c'est des thèmes dont j'ai envie de traiter. Et est-ce qu'on ne peut pas, quelqu'un qui vient de notre horizon de moi, qui a une autre culture, qui a une autre langue,
d'autres coutumes. Quand je vais rencontrer cette personne, est-ce qu'on va pas, il y aura pas, on n'aura pas quand même un lien, quoi? Est-ce que je vais pas réussir à avoir un lien plus profond avec cette personne qu'avec quelqu'un qui a ma couleur de peau, quoi? Voilà. C'est vraiment jouer avec ça. C'est montrer, voilà, c'est le choc des cultures et montrer aussi que une communauté, c'est pas juste une skin, c'est pas juste la couleur de peau, ça va au-delà de ça, quoi. C'est l'idéologie, c'est l'intérêt, c'est voilà, c'est tout ça. C'est ce que je veux raconter à travers la Peltaku. C'est des questions que je me pose et j'essaie d'y répondre à ma façon dans mon œuvre. Donc, d'où l'intérêt de mettre des personnages principaux afro, donc sur le continent d'Iélo. Les îles Mongo, ça représente les Européens qui débarquent sur le continent d'Iélo et on va voir ce qui va se passer en fait. On va voir ce qui va se passer entre ces peuples-là. Qu'est-ce que ça va donner? Et même sur le territoire du continent d'Iélo, je montre qu'il y a des personnages qui vivent dans un village et il y a des conflits quoi, entre eux quand même, alors qu'ils sont de la même origine. En 2009, j'avais vraiment commencé à peaufiner ça. Et à la base, c'était Tadji l'enfant du désert. C'était pas la planète Taku, c'était Tadji l'enfant du désert. Je devais en faire, ça devait être un court-métrage d'une minute trente à la base. Par la suite, je l'ai développé. Je voulais en faire quelque chose de beaucoup plus long. J'ai pas réussi à avoir les financements. J'ai continué à le développer. Et en 2014, c'est devenu la planète Taku. Ça aurait pu être mieux. Je vais être honnête, je pense que si j'avais eu plus de moyens, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Mais je ne suis pas déçu du résultat. C'est-à-dire que, avec tous les problèmes que j'ai eu, tout ce que j'ai traversé, je suis quand même heureux parce que chaque tome, ben voilà, le tome 1, j'ai réussi à le finir comme je voulais parce que c'est très important de finir la dernière page. Tu vois, quand tu finis un tome, il faut laisser du suspense au lecteur. Il faut lui donner envie de lire la suite. Et ma fierté sur la planète Taku, c'est que j'ai réussi ce que j'avais en tête, en fait. C'est l'image que j'avais en tête, j'ai réussi à la refaire. C'est-à-dire que j'ai réussi à finir chacun de mes tomes. Donc le tome se finit comme je le voulais. Le tome 2 se termine aussi comme je le voulais. Et le tome 3, encore plus, se termine encore comme je voulais. La fin de l'arc, et qui donne vraiment aux gens envie de lire la suite. C'est-à-dire que quand ils ont fini de lire le tome 3, ah ben ils sont. D'ailleurs, quand ceux qui ont lu le tome 4 s'attendaient à voir la suite, quand ils ont vu que c'était une autre histoire qui t'a raconté, ils ont un peu été frustrés de ça. Donc pour moi, c'est que ça a marché, quoi. Donc pour dire ce que j'en ai pensé vraiment, c'est tout ce que j'ai appris durant toutes ces années de développement, bon, on le retrouve également dans la planète Taku. C'est-à-dire que tout mon vécu, toutes les barrières, toutes les difficultés que j'ai, d'une certaine façon, mes personnages y l'ont. Le plus sur mon œuvre, ben, la mise en scène. La mise en scène, on revient. Bon, ils me disent qu'ils trouvent la mise en scène très dynamique. Ils trouvent ça très dynamique. Ils adorent la richesse de l'œuvre aussi. Le fait qu'il y ait le Jokan, justement. On a embrassé à le créé par Yannick Théolade, guyanais. On a embrassé à l'Amazonien. Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre? Ils ont aimé les dessins aussi. Les dessins, ils adorent. Bon, les défauts qu'ils trouvent, c'est vraiment le fait que. Il y a beaucoup de termes qui ne soient pas français et qui soient. Donc, je suis obligé de mettre la traduction et c'est vrai aussi que du coup, ça sort. Certains lecteurs, ça les sort de la lecture, ça. Mais je ne pouvais pas faire autrement, c'est-à-dire que sinon, je laissais juste comme ça et les gens n'auraient pas compris. C'est-à-dire que les attaques, je dois les expliquer, quoi. Donc, vraiment les expliquer. Autre chose qu'ils ont apprécié aussi, c'est le fait que chaque peuple, c'est-à-dire que dans les mangas, tu vois, en général, les attaques, elles sont toutes en japonais. Tu vois? C'est-à-dire que même si dans Naruto, tu vois, il y a plusieurs villages. Ben, tous les villages, ils parlent tous japonais. Et toutes les attaques, elles sont en japonais. Moi, dans la planète Taku, c'est parce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a le continent d'Iloh. Dans le continent d'Iloh, ben, on suit en fait la famille de Tihoro. Donc, ils utilisent des techniques, mais c'est en langue Lari. Et quand le peuple des îles Mongo débarque sur le continent d'Iloh, ben, les attaques de ce peuple, elles sont en latin. Et ça, ils ont adoré ça, en fait. Ils ont vraiment adoré le fait que. Ben, ça montre que l'univers est riche, quoi, et dense, et que ben, les peuples parlent différentes cultures. Je peux parler, par exemple, l'énergie. L'énergie sur le continent d'Iloh, on appelle ça le Ji. Le peuple du continent d'Iloh appelle ça le Ji. Ben, et le peuple des îles Mongo, ils appellent ça Energia, tu vois. C'est pas la même chose. C'est la même. Donc, ils ont vraiment différentes. Mais c'est ça qui me plaît, quoi. C'est-à-dire que montrer que, même si on a différentes cultures, mais on a certains thèmes sur les mêmes, quoi.
C'est comme en Afrique, nous sommes descendants d'Afrique, mais il y a beaucoup de termes en créole qu'on retrouve dans la langue lari. Voilà, la langue lari, le mot lari, on l'utilise en créole. Ben, c'est un terme qui était déjà utilisé en Afrique. Pour autre chose. Mais c'est le même terme. C'est ça qui est marrant. On peut y arriver, on peut vivre de son art, mais ça demande tellement de sacrifices. Je te le dis honnêtement, moi je connais énormément d'artistes très talentueux qui ont lâché parce que c'est pas évident et faut vraiment aimer ça quoi. Faut vraiment aimer ça parce que c'est du boulot. Hein. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils veulent faire des mangas et tout, mais ils se rendent pas du compte du travail que ça demande. Le travail que ça demande, les efforts que ça demande, les sacrifices que ça demande. Et justement, ben, ce qui fait la différence entre ceux qui arrivent ou pas, c'est que certains peuvent faire ce sacrifice et d'autres pas, quoi. Tout dépend de ton intérêt, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai été capable de le faire parce que ben, c'est ma passion. Mais si t'es pas vraiment passionné par ça, ben, tu tiens pas le rythme, hein. C'est pas possible. Il y a beaucoup trop de sacrifices. Et donc, pour l'instant, aujourd'hui, j'arrive pas à vivre dans mon œuvre, mais je pense y arriver un jour. Je pense y arriver un jour sur le long terme. À continuer, c'est la passion, c'est aussi les sacrifices, quoi. Tu sais, quand tu as fait énormément de sacrifices, tu as du mal à arrêter, quoi. Tu vois, c'est à un moment donné, tu es obligé de continuer, tu ne peux pas t'arrêter. Aussi, le retour des gens, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de feedback positif, donc ça, c'est motivant aussi. C'est vraiment motivant de voir que les gens, parce que si ça ne plaisait pas, j'aurais arrêté, quoi. Tu vois, bon, dit, ben, je fais ce que je voulais, comme je le voulais. Ça, je n'ai pas trouvé mon lectorat, c'est pas grave, je l'ai fait, je passe à autre chose. Mais j'ai un retour. Les gens aiment ça. Il y a un public qui adore ça, donc ça motive à continuer aussi. Ça, on va dire que c'est vraiment le retour du public qui est très important. Moralement, ça apporte beaucoup de force pour continuer ça. Ça, c'est indéniable. C'est ce qui m'a lancé sur ce projet. Hein. Je le répète, à la base, c'était Tadji l'enfant du désert. Ça devait être un court-métrage d'une minute trente. Et ce court-métrage, ben, n'ayant pas réussi à le financer, j'ai dû trouver une idée, donc sortir un roman. Le roman qui racontait l'histoire du premier arc de la planète Taku. Et donc, ouais. Le but, c'est vraiment de réussir à faire mon animé, quoi. Alors, la planète Taku, on peut le trouver que sur le site la planète Taku. Donc, c'est la planète Taku, Taku, TAK2O.com. Et ben, vous pouvez trouver les quatre tomes qui sont sortis. Il y a aussi les t-shirts, pour ceux qui le veulent, des t-shirts de chaque tome, des stickers et des illustrations métalliques, pour ceux qui le souhaitent. Et aussi la possibilité de me soutenir financièrement, ceux qui le veulent, de façon ponctuelle ou mensuelle, sur Utip. Ben le terme Taku, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Pourquoi j'ai choisi Taku comme nom? Taku, ça vient du mot, ça vient de la langue Lari. Taku, TAKU. Et c'est en référence aux racines. Et ça fait référence aux racines et à un tronc d'arbre, en fait. Et ben, je reprends mon propos, c'est vraiment ça, c'est réussir à travers la planète Taku à donner aux prochaines générations ben, les racines que ma génération, en tant qu'afro-descendant, n'a pas forcément eues. Voilà, donc c'est avoir les racines que nous n'avons pas eues grâce à la planète Taku. Voilà le mot de la fin.